ou presque. De là-haut, on pourra voir la forteresse des gobelins. Tu sais, il est bien, mais cinématique, que je devrais passer un peu plus de temps à faire du sport. Hein, et un peu moins à inventer des choses dans ton genre. C'est un mystère. Je vois les chars, mais je crois pas qu'il y ait d'installation métallurgique dans le coin. Impossible qu'ils soient fabriqués ici. Je vois que la porte est ouverte. Allons jeter un coup d'œil. Quoi ? Je veux tirer tout ça au clair. On ne risque pas d'apprendre quoi que ce soit en restant planté ici. Lucas, reste ici jusqu'à ce qu'on vérifie qu'il n'y a pas de danger. Nark, tu le surveilles. Vous êtes sûr que c'est une bonne idée ? Ils doivent s'attendre à ce qu'on vienne. T'inquiète pas, je sais très bien ce que je fais. Ah, je capte une grande quantité de reliques par là. C'est sûrement le butin volé à l'avant-poste. Je bosse ça. Et que venez-vous faire dans mon village ? Vous avez attaqué une forteresse humaine. Vous pensiez que cela n'aurait pas de conséquences ? Des conséquences ? La conséquence, c'est que j'ai des tas de reliques de pierres solaires et un joli butin. Plus quelques invités surprises. Vous n'êtes pas très nombreux. C'est suffisant. L'équipement de combat de ces robots est tout à fait capable. Ces chars sont de véritables chefs-d'œuvre de technologie. Nous nous demandions... Comment je les ai eus ? C'est ça que vous voulez savoir. Je ne dirai rien. Mais puisqu'il vous intéresse tant que ça, je vais vous les dévoiler un peu plus. Fermez les portes. Tâchons de trouver un autre moyen d'entrer dans le village. Voilà, c'est pour ça que j'y suis pas allé. Je disparais. Mm-hmm.
Vas-y, continue. Non ! Non, je crois pas. Ah ! On peut pas passer à ce moment-là. La skip ? Voilà, c'est quoi ce truc-là ? Je sais pas, mais tu vas bien. D'accord. Tu vas le savoir. Ah, mais je suis trop petit de toute façon. À gauche aussi. Voilà, ça c'est pour toi. Oh, ah bah bravo. Allez, vas-y, mange-toi le piège quoi. Non, c'est bon, j'ai déjà fait. Ça c'est chacun son merdier. Vas-y, je réapparais. T'as quoi? Ouais, il y a sa mère là. Ah, à mon avis, je vais devenir géant. Quoi? Ouais. Pas déçu. C'était un fake. Oh putain. Attends ici. Allez. Ah bah bravo. Punaise. Oh là là, je m'occupe du boomerang à droite. Télescope pro en fait. J'ai réussi à me manger le retour du boomerang. C'est quand même fort ça. Oh, oh là là. Non, allez, vas-y. Vas-y. Alors. Il prend même pas ce jeu. Voilà, ça c'est pour toutes les épreuves. Non mais allez. Il y a une autre entrée. Et aucun char en vue. Ouais, mais il y a quand même un paquet de gobelins. Et pas des petits. J'ai une idée. Tu vois ces morceaux de stalagmites?
Et si tu t'en servais pour t'empêcher comme des reliques, elles ont l'air de la bonne taille. Le docteur dit que ça peut pas fonctionner. L'énergie arcanique de ton orbe thoracique ne peut interagir qu'avec les matériaux hyperdenses des reliques. Le docteur, hein. Moi, je dis qu'il faut essayer. Ça coûte rien. Je veux que quoi ? Voilà, y a rien qui bouge. Celle-là a bougé. Ah bon ? Ok. Classe ! Oh, ça me fait des frissons. Il m'en faut plus. C'est bleu. Oh, arrête. Surtout les voix des gobelins. Attends les verres. Et toi, du coup, ça, ça t'a pas changé? Non, on connaît. Oh là là, quand tu es énorme, ça t'arrive là. Je te garantis que ça glisse. Tu m'étonnes. Ah, là ça avance. Bah j'ai plus rien, je suis en train de taper le... Par contre, maintenant qu'on te tape, je tape. Bon, tu commences à avoir un genre de moque, c'est rien de tout. Hein. Oh mais tu deviens full glace, ça se passe comment? J'ai l'impression. Bah, tu es allé, lui. Non, mais c'est quoi qui m'a détruit? Bah, il y avait le monde. Attends, attends, attends. Attends, 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 attends. Merde. On a une là. Non. Allez, si. C'est subtil, hein. C'est bien planqué quand même. Qu'est-ce qu'on récupère? La putain, c'est des trucs qui est la facette, tu vois. Il s'arrive. Petit, ok. Des choses qui arrivent. Alors là, ok, c'est pas grave. De toute façon, tant qu'on n'a pas l'ensemble des pièces, hein, on est... Comment ça glisse? Allez, parle. Boum! Regarde, il y en a après, t'as vu, ta barre de vie, elle se transforme en juste barre de glace. Mmh. J'ai envie de savoir ce que ça va ressembler.
Allez, on va tous les trouver, la force. Je vais tous les trouver. Oui, c'est vrai. Lance. Non, je l'avais eu, celle-là. Ah, j'espère. Je peux pas le trouver à chaque fois. Deux fois plus d'énergie, non, c'est prêté. Ok. On a déjà une pièce, on en a. Ok. J'ai l'impression que t'as envie de tout défoncer, toi. Non, j'ai pas le temps de perdre. Parce que t'as même pas le temps de réfléchir, tu vas devant. Ok. Bonjour, j'avais pas trop envie de réfléchir, ça. Si je suis devant, c'est que je vais taper dessus. J'ai vu la cible, mais j'ai pas vu le personnage. C'est dommage qu'ils... enfin... on était un peu léger sur le gameplay à deux jeux. Merde. La manos cool. Et il est mort, surtout. Non. Ah, vas-y, on commence à tout petit. Non. Ah, c'est parce que tu m'attends pas, ça, tu vois. Oui. Voilà, bon, je cherche même pas. Là, j'ai même pas eu le temps de prendre ma manette. Allez, on se concentre. Ouh, là, ça fait grandir. Tu tout full. Allez, il y a un boss. C'est obligé. C'est mon tour. Une cinématique. Qu'est-ce que tu en penses? Tu as l'air féroce. Je me sens féroce. Mais il ne faudra pas que je traîne une fois dehors. En moins d'une minute, la chaleur du soleil me fera fondre jusqu'à ma taille d'origine. Bah, une minute, ça pourrait suffire. Tu vois les trois barres sur la porte? Et le mécanisme qui les contrôle? Ce sont tes cibles. Compris. Ok, ça peut speedrun. Allez. Voilà, on prend ça. Thank you.
Putain. Allez, oh, il est chaud, lui. Il est chaud.